Salut les internautes, bienvenue sur NKBNS+, votre chaîne qui vous parle des opportunités en ligne qui permettent de gagner de l'argent afin de retrouver l'indépendance financière et la liberté géographique dont vous avez besoin. Voilà, sur cette chaîne, nous publions des vidéos qui cadrent avec le business en ligne. Alors, si c'est pour votre première fois, nous vous invitons à vous abonner massivement afin de ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, n'oubliez pas aussi de liker et de partager la vidéo afin de nous permettre d'être mieux référencés sur YouTube. Voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler de comment créer un compte Clickbank dans un pays non pris en charge. Voilà, pour les habitués de l'affiliation, ils connaissent ce que c'est que Clickbank. Alors, nous allons voir comment créer un compte Clickbank pour ceux qui se retrouvent dans un pays dont Clickbank a mis des restrictions. Clickbank a mis des restrictions pour certains pays, surtout le pays africain. Il ne nous est pas possible de créer un compte Clickbank afin de pouvoir utiliser ses services. Voilà, nous allons voir dans cette vidéo comment contourner cette restriction. Voilà, nous vous demandons d'être scotché, de suivre les tout après cette intro. Merci. Voilà, comme je le disais au début, Clickbank c'est un site d'affiliation. Un site d'affiliation comme OneTP, System.io, ainsi de suite. Alors, ce site est vraiment spécifiquement dédié au marché américain. Parce que les produits, la plupart des produits que vous allez trouver sur son catalogue, donc, ce sont des produits qui sont dédiés au marché américain. Voilà, vous avez ici les tableaux de bord, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez des produits qui sont classifiés selon leur gravité et selon leur catégorie. Alors, vous avez ici les software and services. Donc ici, comme vous voyez cette flèche ici, on indique gravity, c'est-à-dire le nombre de fois que ce produit a été vendu. Alors vous avez les différentes mentions là-bas, et average sell 26, ainsi de suite. Donc ça, c'est lié à un produit qui est vendu sur Clickbank. Alors voilà, c'est un site, une plateforme vraiment très 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 avantageuse et donc très importante pour nous les habitués de l'affiliation, qui peut vous faire gagner de l'argent et obtenir l'indépendance financière qui est le but poursuivi par tout entrepreneur en ligne. Voilà, le comble du malheur, c'est que pour les Africains, la plupart des Africains et des pays asiatiques, Clickbank a mis des restrictions pour l'utilisation de son site dans ces pays-là. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est pour raison de commercialisation ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Et voilà. Et donc, il n'est pas possible de créer un compte Clickbank à partir de ces pays-là. Voilà, même si vous essayez de créer un compte, donc vous ne serez pas redirigé vers les tableaux de bord du catalogue des produits des Clickbank. Voilà, nous allons essayer avec vous pour voir ce que cela va donner. Voilà, nous voici sur la page d'accueil d'inscription des Clickbank. Ici, nous allons choisir « Je suis en République démocratique du Congo ». D'ailleurs, si vous voyez ici, mon pays n'est pas repris en République démocratique du Congo, je ne sais pas. Nous allons voir Congo. Voilà, nous allons prendre Congo Ouest, c'est-à-dire Congo East.
c'est-à-dire les RDC. Je mets par exemple le prénom Jean-Pierre. Je choisis le numéro 10 243 plus 243 89 85 88 384. Voilà, je mets arrobase gmail.com. Je mets le mot de passe. Je clique sur accepte les conditions. Non, consulter les conditions, accepter les conditions et puis rejoindre ClickBank. Voilà, on me dit les comptes ClickBank ne sont pas disponibles dans votre région. ClickBank est tenu de se conformer aux sanctions gouvernementales et internationales qui restreignent l'accès dans certaines régions. Merci pour votre intérêt et votre compréhension. Voilà. Donc, la création d'un compte ClickBank à partir de mon pays n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des restrictions. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment contourner cette restriction pour ouvrir un compte ClickBank qui pourra nous permettre de faire l'affiliation avec cette plateforme. Premièrement, ce que vous avez besoin, c'est d'un VPN. Un VPN, c'est un logiciel qui vous permettra de vous connecter en anonymat, c'est-à-dire lorsque vous vous connectez sur ClickBank pour créer votre compte, ClickBank ne verra pas votre adresse IP, donc il ne verra pas votre position géographique, donc il ne se rendra pas compte de votre position géographique. Alors avec le VPN, vous allez vous connecter à ClickBank à partir d'un serveur distant. Alors, ce serveur pourrait être au Canada, en Europe, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de choisir. Alors, nous vous conseillons d'utiliser les VPN payants. Alors, parmi les VPN payants, vous avez CyberHost, vous avez Express, vous avez les Node, ainsi de suite. Donc, vous allez utiliser ces VPN-là pour vous connecter à ClickBank. Donc, vous lancez premièrement votre VPN. Vous lancez premièrement le VPN et puis vous choisissez les serveurs distants. Donc vous choisissez d'abord les pays, donc les pays dans lesquels vous allez choisir les serveurs et vous connecter à ClickBank. Et en deuxième lieu, vous avez besoin de générer une fausse identité. Alors la fausse identité, vous allez la générer à partir d'un site qu'on appelle les Fake Name Generator. Fake Name Generator. Voilà, ici, vous allez avoir les identités, donc les fausses identités d'une personne imaginaire se trouvant aux États-Unis d'Amérique. Alors ici, vous voyez, vous avez Stephen S. Joy, vous avez son adresse ici, vous avez son numéro SSN, vous avez son numéro de téléphone, vous avez sa date de naissance, ainsi de suite. Donc, c'est avec ces coordonnées ici que vous allez créer votre compte ClickBank. Et en troisième lieu, vous aurez besoin d'un compte PayOwner. Donc, PayOwner, c'est une plateforme en ligne qui vous permet de créer un compte afin de bénéficier, de lier votre banque, donc votre compte bancaire à PayPal. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous créez un compte sur cette plateforme? Vous aurez à récupérer vos gains gagnés à partir de ClickBank qui vous seront envoyés sur votre compte bancaire à travers la carte qu'on vous enverra lorsque vous allez la commander. Donc, la plateforme vous permet de recevoir une Mastercard, donc une carte de crédit au logo de Mastercard qui vous permettra de pouvoir récupérer vos gains gagnés sur ClickBank à partir de chez vous.
Voilà, donc la carte, vous allez lier votre compte bancaire à votre compte Click, votre compte PayOnner. Voilà, donc ce sont ces trois choses ici dont vous avez besoin pour créer votre compte ClickBank. Donc, voilà la procédure, ce que vous devez premièrement lancer votre VPN. Après avoir lancé votre VPN, vous allez vous connecter, vous allez choisir les serveurs distants pour naviguer dans l'anonymat. Sinon, si vous ne lancez pas le VPN, ClickBank, il ne sera pas possible de créer un compte sur ClickBank parce que ClickBank va voir votre position géographique et il affichera toujours les messages que nous avons vus précédemment. Alors pour éviter cette situation, il faut vous connecter avec un VPN. Donc c'est le VPN qui va masquer votre adresse IP afin de vous permettre de continuer à créer votre compte ClickBank. Donc après avoir choisi cette option, vous allez passer maintenant à l'inscription. Donc vous allez utiliser une fausse identité. Voilà, vous allez mettre votre nom. Vous n'allez pas utiliser le nom de cette personne ici. Tout juste ce que vous avez besoin, c'est l'adresse. Alors ici, vous avez le code postal, vous avez la rue, vous avez la ville. Ici, c'est l'État. Alors si vous ne connaissez pas à quoi correspond la ville qui a comme acronyme WA. Donc, vous allez prendre ceci, vous copiez, vous allez dans votre navigateur, vous mettez WA State. Alors, state name, WA state name, voilà. Ici, on dit Washington. Donc, Washington. WA state name, c'est Washington. Donc, vous allez maintenant venir là-bas. Vous allez utiliser à la place de la ville, vous allez mettre, pardon, à la place de l'État, vous allez mettre Washington. Voilà. Après avoir introduit toutes ces coordonnées, donc, vous allez être redirigé vers la page où on va vous demander votre compte bancaire, ainsi de suite. Alors, ne choisissez pas dans la création de votre compte, vous n'allez pas choisir les pays comme les pays de résidence comme États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on va vous demander un numéro. Et si ce numéro, je ne sais pas, c'est lié à des histoires d'assurance et ainsi de suite. Si ce numéro n'est pas valable, votre compte sera supprimé sans préavis. Donc, je vous conseille d'utiliser le pays de résidence comme France et ainsi de suite, où on ne vous demandera pas ces numéros-là. Donc, quand vous créez votre compte ClickBank, il faut mettre le pays de résidence, par exemple, et surtout les pays d'Europe. Voilà, ne mettez jamais le Canada ou bien l'Amérique, parce que là-bas, on va vous demander un numéro. Et si ce numéro-là n'est pas correct, vous allez vous voir supprimer votre compte sans préavis. Voilà, il s'agissait vraiment d'une petite vidéo qui avait comme but de vous montrer comment créer un compte ClickBank à partir d'un pays qui n'est pas pris en charge par ClickBank. Alors, pour avoir les détails sur ces sujets, je vous invite à cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo pour aller voir mon article là-dessus. J'ai mis tous les détails dedans, donc ça va vous inspirer. Voilà, merci, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Merci.